stop. Yo tout le monde, c'est Lit, j'espère que vous allez bien, car pour ma part ça va plutôt bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous permettre d'entrer ultra rapidement et simplement à l'intérieur du coffre-fort de la très fameuse Banque Pacific Standard dans le boulevard de Vinewood, et qui, vous le savez, est aussi présente dans le braquage final du DLC braquage. J'espère vraiment que ce glitch va vous plaire, et si vous ne me connaissez pas encore et que vous regardez cette vidéo, je vous invite très fortement à vous abonner à ma chaîne pour plein d'autres glitchs en exclusivité et des vidéos délire. Je lance également un gros appel pour tous mes abonnés et pour les futurs abonnés, pour vous signaler qu'aux 3000 abonnés sur ma chaîne, je vous ferai gagner de très beaux lots comme des manettes, des jeux vidéo, ainsi que des accessoires pour le gaming. Donc je le répète, abonnez-vous et surtout restez actifs sur ma chaîne pour décupler vos chances que je remarque votre activité sur ma chaîne et votre fidélité. Pour réaliser le glitch, c'est très simple, rendez-vous à la banque et allez à la première porte d'accès du coffre-fort en passant par les escaliers du haut. Une fois arrivé, collez-vous au barreau en métal avec le bouton approprié selon votre plateforme. Ouvrez votre téléphone, allez dans votre liste d'activités et lancez uniquement une mission. Je précise bien que c'est uniquement une mission que vous devez lancer, venant d'un personnage comme Ron, Simeon, Lamar, Martin ou encore bien Lester, ainsi que les autres personnages qui proposent des activités. Mais faites bien attention à ce que cela soit uniquement une mission que vous lancez. Une fois arrivé dans le menu, vous faites un bac et quittez l'activité, et vous aurez le bonheur absolu et la joie d'apercevoir que vous êtes passé à travers les barreaux, tel Elastic Man ou l'homme invisible. Pour ouvrir le coffre-fort de la banque, c'est très simple, posez un C4 à proximité de la porte et non pas dessus comme beaucoup pourraient le penser, ou la solution secondaire est tout simplement de prendre une mitrailleuse lourde dans mon cas, et de mitrailler un peu les extrémités de la porte jusqu'à ce que celle-ci rebondisse vers vous, pour vous ouvrir les portes du bonheur et du très envié coffre de Les Santos. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous avez réussi et aimé cette vidéo, je vous oblige à lâcher un petit like ainsi qu'un commentaire pour me remercier ou me soumettre toutes vos demandes de vidéos ou questions. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Ça vous prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à être mieux référencé avec un tout petit geste de votre part. Surtout pour la plus grosse info de la vidéo, n'oubliez pas qu'aux 3000 abonnés, je vous fais gagner des accès exclusif pour des jeux ainsi que des accessoires gaming. Donc si vous voulez faire partie de ces heureux gagnants, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à rester actif sur toutes les vidéos qui vont venir, car ce sera principalement en ça que consistera le concours des 3000 abonnés. Voilà les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao les gamers.